bienvenue dans ce 10e épisode de Total War Warhammer 2 avec Alariel sur la carte du Vortex où nous étions donc restés au dernier épisode avec la fin de notre premier rituel. On a d'ailleurs commencé un peu le deuxième. Ce qui est bien, c'est qu'on s'est rapproché du clan mort. On est un poil loin de Nagaronde, mais ils sont pas encore. On va les rattraper. Par contre, Exalt a pas mal d'avance. Alors l'étoile d'Avarlande me rapporte 50 d'influence, il va falloir que quand même on le fasse. Alors bon, la Norska, on sait que j'avais pour l'instant fait une paix rapide avec eux. Le temps de sécuriser mon hôtel de Kane, on a dit qu'aussi on attendait de passer ça niveau 2, 10 tours. Dès que j'aurai stabilisé un peu la province en général, on a, si ça a passé niveau 2, on a nos thunes à améliorer, on a pas mal de choses à faire. On aimerait aussi, comme d'habitude, depuis quelques épisodes, confédérer avec Elirion, mais bon, ça a l'air d'être mal emprunté pour l'instant. On est renfort 7, ils sont renfort 5, donc tant qu'on sera pas devant eux, ça va être compliqué. Voilà, ça fait un peu de temps que j'ai pas joué, donc je pense que on avait fait le tour au dernier épisode. Le Val de Gain, on n'a pas besoin de le passer niveau 4 pour l'instant. Je pense qu'on va prendre à l'Ariel et on va commencer à aller ici. Juste, ouais, attends, là qu'on est bon, je pense qu'on va passer directement ça niveau. On va passer ça niveau. On va commencer les 10 tours maintenant. Parce que mine de rien, il y a une bonne garnison. On a du coup notre dragon lunaire. Ça va nous apporter 2 gardes de phénix et 2 lions blancs de crasse en plus. Donc on aura une garnison de fou. De foufou. Et du coup, on aura largement de quoi la défendre. Contre les assauts norsk. Du coup, les maîtres épéistes, juste pour savoir, est-ce que j'en avais dans cette armée? Non, j'en avais pas encore. Je les ai dans un tour, je crois, hein. C'est ça? Non, ça c'est les mages. Ah, donc j'aurais dû prendre le bâtiment des maîtres épéistes, effectivement, ce que vous m'aviez dit. Je l'ai pas pris. Et pourquoi j'ai pris celui-là? Ah oui, parce qu'on a... Ah mais si, c'est le bâtiment des maîtres épéistes, ok, nickel. Donc du coup, dans un tour, on peut recruter des maîtres épéistes, on n'a pas la thune pour l'instant, hein. On a dit qu'il fallait qu'on la chope. On va faire pop des rébellions un peu, je pense, parce que du coup, il nous faut de la thune, et il faut toujours qu'on se renforce pour avoir un renforce mieux que Lyrion, donc on va passer le tour. J'avais aussi réduit les relations entre Tyrion et... Entre Tyrion et Illyrion, effectivement, pour pas qu'ils confédèrent entre eux. Ce qui serait bien, c'est qu'ils se prennent une pâtée par je sais pas qui. Qu'ils aillent, ouais, à la limite, qu'ils aillent traverser le continent et qu'ils aillent se prendre la, qu'ils aillent se battre contre les elfes noirs. Ça serait pas mal. Ok, on a un mage qui a été recruté, du coup, alors, ce problème du mage, c'est qu'il nous met à moins 26. Moins 26, on peut les tenir, pas de problème. Alors, il est où? Ah, il a été recruté ici. On va le foutre dans cette armée-là, de toute façon, parce que ici, on a l'Ariel, largement suffisant. Je pense que du coup on va commencer, j'avais dit, à aller sur les territoires elfes noirs. Alors je me demande si on va peut-être pas monter sur la Norska avant, juste déjà histoire de récupérer ces 50 fragments. Donc je pense qu'on va redéclarer la guerre à la Norska. On aura notre armée ici pour protéger l'hôtel de Kane. On aura celle-là en deuxième. À la limite, je me demande si j'ai pas enlevé les lions blancs de crasse. Et je vais commencer à recruter des maîtres épéistes. Je pense qu'on va faire ça parce que cette armée là pour l'instant elle est pas trop. J'en ai pas trop besoin. Voilà, ça me fait passer à 878 de thunes. Et puis on va commencer à recruter des maîtres épéistes ici. Pas besoin de tout ça. Qu'on donnera du coup à l'armée d'Alariel en prio. Pour l'instant on peut pas trop l'améliorer, on n'a pas assez de thunes. On va encore passer le tour. Bon, je pense que Tyrion va sûrement aller aussi du côté des elfes noirs maintenant. Le culte du plaisir, bon, pour l'instant on n'a pas trop à soucier d'eux, c'est plutôt Arganet et Nagaronde qui font plus peur. Bon, vous voulez que je rejoigne la guerre? Alors, dans pas longtemps,
On est passé en force 12 maintenant et E7. Ils sont devenus plus puissants que nous. Ouais, bon, on va être loin de les confédérer. Hein. Il y a encore des scaling ici, mais bon, je pense que Tyrion va s'en occuper. Ils ont fait quoi? Assaut de la garnison. Ok, on s'en fout un peu. Là, on a un ordre public stable. Tordranil, c'est une ville qui est quand même un peu exposée. J'ai pas de mur. J'ai de l'ordre public. Est-ce que j'en ai besoin? Oui, pour le moment. J'ai de la croissance, j'en ai besoin aussi. Bon, bah, on va rester comme ça pour l'instant. Hein. Pas le choix. Donc, on va commencer à monter en haut. À la limite, tu vas prendre la mer. On va aller raser ça. Toi, du coup, est-ce que je peux te bouger? Oui, j'ai l'impression que je peux te bouger parce que du coup, Ultuan me fait pas peur et Ultuan va s'occuper des scaling. Donc, du coup, bon, pour l'instant, tu vas rester ici, me recruter pour commencer un comme ça. On va y aller petit à petit. Un partout, histoire d'en avoir deux. Ok, on a rencontré Nagarond, donc ça va, je pense, pas tarder à péter avec eux. Donc Tyrion redescend toutes ses armées. Bon, il en laisse une quand même ici, heureusement, parce que du coup, ça va être leur... ça va être l'armée directement sur... sur la frontière Skyling. Bon, ils ont pas l'air d'être trop menaçants pour l'instant. Allez, on est parti. J'espère qu'on va pas se choper de tempête. Toi, tu vas continuer à aller là-bas. On a toujours 925 de thunes, donc je pense qu'on aura pas assez pour s'en recruter. Ah si, 1180, vraiment limite. Hein. Ok, donc on aura nos deux maîtres épéistes. Il faudra qu'on aille les donner aussi là-bas. Donc on va passer par là, on va remonter forteresse des damnés, une petite garnison, je sais pas s'il y a leur armée là-bas, on va voir. S'il y a leur armée ici, on ira peut-être d'un autre côté au qu'ils descendent. Je vais juste voir ce que fait Illyrian aussi juste après. Rituel, ok. Donc Exoalt a terminé son rituel d'opposition et nous on a rencontré tout le monde. Eh oui, puisque du coup on est arrivé, tous les ports, voilà, tous les responsables de ports, c'est ça. Ouais, c'est un âge de découverte, tous les propriétaires des ports majeurs se connaissent. Donc on connaît tout le monde maintenant presque. Ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir commercer. Donc mine de rien, peut-être pouvoir remonter nos revenus. J'espère avec les rois des tombes et avec les l'ordre des maîtres du savoir. Du coup, c'est parti en guerre un peu de partout. Pas pour nous pour le moment, tant mieux. Malheureusement, pas trop pour Illyria non plus. Revenu du commerce 50%, on va le prendre, ça nous fait baisser 150, c'est pas grave, on prend de l'influence, on n'en avait plus. Du coup, petit point commercial, ok. Donc, hop, on va prendre l'accord commercial. On parie avec eux. L'accord commercial qui est plus rentable pour eux que pour nous. Ce serait cool de se faire un petit let's play d'ailleurs avec des factions mineures comme ça. Du style Thor et Alasor. Peut-être assez difficile avec les scavens ici. Ok, de toute façon je pense. Oh, on a quand même la cour de Libaras aussi. Ok, ils veulent l'accord commercial si on propose le pacte. D'accord, ils sont ici eux. Ça me permet de revoir aussi où ils sont un peu. Qui c'est que j'ai d'autres? Que j'ai plus personne. Ok, c'est-à-dire que Cetra n'a pas de port majeur. Ok. Bon bah c'est cool quand même, nos revenus... mais on est à moins 50% de revenus du commerce, donc ils vont monter dans pas longtemps. Alors là, ce serait cool que j'ai un petit truc à 10 000. Oh, 5 000, c'est pas mal. C'est pas mal. On va monter doucement ici, voir si leur armée est par là. Ok, leur armée est pas ici. Donc on va débarquer. On va les attaquer. On a 6000 de thunes, du coup, ça commence à être intéressant. On va pas trop recruter parce que là, du coup, on va passer à 200 de thunes par tour. Faut quand même qu'on reste en positif.
Ici, on peut booster la garnison ou alors je peux booster ça pour avoir les phénix et les gardes phénix après. Ça nous coûte 5700, ça booste l'intégrité. Il y en a pas mal besoin aussi par là. Parce que j'aurais pas mieux à faire. Ici, booster la garnison ou passer ça, c'est vrai que ça me permet d'avoir le dernier rituel ici. Rendre recrutement. Peut être intéressant aussi. Et faut alors je booste la thune, on va booster cette province. On va passer sur le revenu encore. Ok, donc Illyrian prend la mer. Donc ce serait bien qu'ils se fassent péter. On est renfort, ils sont renfort 6, donc normal on peut pas confédérer. Après, est-ce qu'il y a d'autres factions? Nagarit par exemple. Ouais, Nagarit, par exemple, je pourrais les confédérer. Choper Attilanar. Est-ce que ça m'intéresse sincèrement? J'ai l'air d'être pas mal quand même, ils ont une petite armée ici, ça me permettrait de les choper. Juste voir ce qu'ils ont quand même. Mais alors là, il va falloir se battre après sur plusieurs fronts parce que. Ah, ils ont une vie niveau. Ils ont 40 quarts niveau 5. Et ils ont quoi comme armée? Putain, ils ont des armées à refaire, hein. Ça pourrait être intéressant de les confédérer, je pense. Après, c'est pas trop la prio. Bah, ça me permettrait d'être un meilleur rang de force que Gigalion, c'est ça le truc. J'ai bien envie de voir ce qu'ils vont faire. J'aimerais bien qu'ils se fassent démonter. Après, ça fait quand même pas mal, prendre pas mal de petites villes de niveau 6, hein, niveau 5. Hein. Niveau 3. Après, il y a la guerre de partout. Moi, je suis en guerre contre eux. Après, je suis en guerre contre personne d'autre. On va attendre un peu, je pense. On va pas trop se précipiter. On a encore de. On n'a pas encore stabilisé toute notre province ici. On va attendre un peu. On va aller commencer à raid un peu les. Histoire de récupérer notre quête, les raids 2. On va espérer que Gilles Gallion se fasse raser son armée. La garde qui est plus puissant que nous, que tu as eu le plaisir qui est pas mal aussi. Après on peut quand même tenter hein, parce que je suis en train de me dire que ça fera que du bonus. Je récupère Attilana. Ouais, je pense qu'on va essayer de les confédérer. Hein. Même si ça nous fait battre sur deux fronts, c'est pas grave. On restera très défensif sur la côte ouest si on arrive à le faire. Donc en garnison avec nos armées. Ok, donc on a notre deuxième unité de maître épéiste. Ouais, ils sont passés rang de force 15. Ils veulent l'alliance militaire. On va faire l'alliance militaire avec eux. Est-ce que vous voulez rejoindre la Confédération? Si je te paye. Non, pas encore non plus. Ok, on va peut-être. J'ai pas trop envie de dépenser mon influence, ça monte tout seul déjà. Ok, donc toi tu vas. T'as tes deux maîtres épéistes, tu vas commencer ici à monter un peu. Même, tu viens de passer par là. Toi du coup tu vas aller courir derrière. Donc l'autre. Ouais, l'auterne qui monte aussi, donc on va monter aussi. Allez, prochain tour on ira la raser. On prend un peu d'usure, c'est normal. Donc Lauterne qui rapproche quand même pas mal d'armées au. Je pense qu'ils vont prendre la mer pour aller commencer à aller prendre l'ouest. J'ai l'impression que la partie se déroule quand même relativement bien pour les hauts elfes. Bon après Nagarond est pas encore là. Arganet et le culte du plaisir ont pas l'air quand même relativement faibles.
Ok, du coup. On va leur déclarer la guerre, hein. On va la faire. J'ai pas trop envie de perdre d'unité. Ça me permettra de revoir un peu les sœurs d'Averlorn. Il y a un mammouth, sauf qu'il faut faire attention. Il y a des champions maraudeurs aussi. Ils ont pas tant d'anti-larges que ça. Ils ont donc 2, 3. Donc notre cavalerie devrait faire un bon petit taf aussi, je pense. Alors, on est à 20, donc nickel. Donc du coup, on va placer nos sœurs. Qu'on va espacer à fond. Attends, regardez-moi comment on peut espacer ça. On peut les mettre sur une ligne, quoi. Oh, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, quand même. On va les mettre comme ça. Ici. On va mettre nos gardes là, comme ça. Ici. On va les pack, on va essayer de leur faire prendre la charge du mammouth. Notre cavalerie. Ici. Ce sera le groupe 3. Ce sera le groupe 2. Vous pareil, vous allez vous mettre devant. Comme ça. Et les lémures, pareil, de ce côté-là. Ok. Et vous, du coup, derrière. Ok, parfait. Donc, Alariel, tu vas être ici. Toi, tu vas rester derrière. Et toi, le noble, ici. Comme ça, voilà. Là, on est bien zoné. Notre Alariel, elle est... On va la foutre ici. Voilà, comme ça la zone. Oh, la zone d'Alariel, elle est immense. Ok, et eh ben on est parti. Bon, pour l'instant, on fait comme ça. À la limite. À la limite, faites comme ça. On va plutôt faire comme ça. On va attendre un peu. Bon, là c'est du lancier. Donc on va juste mettre cela pareil. Ok, alors le mammouth pas trop. Vous allez plutôt m'attaquer ça comme ça. Ça là. Ça là. Comme ça. Ok, go. Ok, go. Comme ça. Vous, go. Ouais, on met ça ici. On s'en va pas le balancer ici. On va balancer ça là. Allez, vous chargez ça. Vous venez là-dessus. Voilà, c'est ça d'Averlorn. On est bon. Toi, viens là-dessus. Toi, tiens-moi ça. Alariel, go. Je booste ça. Petit coup de heal ici. Là, on est bon. Que vous repassez en mode comme ça, vous vous mettez là. Là, est-ce que j'ai de l'archer? Ouais, non, si. La journée. Vous butez-moi ça. Vous ici. Ok, wow, c'est la fin. Ça va de continuer, c'est une bataille de siège. Donc, on était pas mal là. On a été bien. Cavalry qui a fait un bon taf là.
Et Shadowlands qu'on fait un gros taf aussi. Hein. Moi, ils avaient pas grand-chose qui pouvait nous embêter, de toute façon, à part le mammouth. On a bien su le contenir. On lui a mis des dryades, les dryades au cul. Et après, notre anti-large a fait le reste du taf. Je pense qu'on va occuper la ville, même si c'est une ville qui est pas du tout, qui est pas du tout pour nous, juste pour qu'on se régène. Après, on la perdra, c'est pas grave. Je veux juste qu'on se régène dans cette ville. Comme on est en territoire hostile. Praise Isha. Order is Je pense qu'on restored. va mettre Asak et My occuper. light shines bright. On va mettre Asak et on va occuper. Alariel, the ever queen. Comme ça, on a récupéré 8000 de thunes. Ici, à la limite, on va se faire ça. De toute façon, on n'aura jamais de garnison, donc bon, le palais des princes va être chopé. On a pris la ville la mieux. On va à la limite partir sur un bâtiment d'ordre public. Est-ce que ça sert sincèrement à quelque chose? Ça me donne quoi les malus? Ordre public moins 3, donc c'est pas non plus énorme. Si on prend le bâtiment de malus, on va prendre ça. Puis on va prendre le bâtiment de thunes. On a encore 6000 de thunes. On a du coup une victoire contre la Norska. Alors le problème c'est que... Bon, il y a le palais des ruines ici. On va pas aller le chercher, je pense. Le problème c'est qu'après pour réussir ça, il reste plus grand chose. Hein. Fait chier pour que Tyrion soit monté aussi là. Donc Ariel, tu m'as repris des niveaux. On a dit qu'on t'allait donner ça. Donc du coup, on va te prendre quartier maître et renommée appréciée. Donc entretien moins 8% pour toutes les armées. Pour toutes les unités dans l'armée. Donc ça nous fait quand même en tout moins 28%. Moins 23%, pardon. Et on augmente la portée de déplacement. Recrutement plus 1 pour toutes les unités. Donc ça, on est bien. Ça nous passe à plus 1200 de thunes. Toi, je peux te donner encore des capas. Je vais te donner de la def. Et de la def. Et toi? Donc toi, je t'avais dit qu'il fallait que je te mette. Alors on va prendre ça, c'est sûr. Et puis ça. Le problème c'est que là, je t'ai mis plutôt au cac. Hein. Dégâts à distance, il y a pas trop. Il y a que ça qu'augmente la puissance des armes, c'est tout. Et après c'est là. Rang 12. Ok. Donc pour l'instant, on reste comme ça. On est à 4 tours d'avoir ça. On va passer par un mec niveau 4. Ça me coûte une blinde, c'est vrai. Comment ça se passe du coup? Est-ce que ça nous a donné de la puissance? Non, Nagari par contre, éventuellement. Quoique Nagari s'est fait. Ouais, d'accord. Il y a Nagaronde qui est juste là. Je pense que c'est peut-être le moment. C'est chaud, hein. Franchement, je me demande si c'est bien le moment de les confédérer. Elirion, t'es ouf, t'es toujours en mer. Je sais même pas où ils sont toujours en force 5. J'ai peur qu'on ait plus à Tilana en fait si on fait ça. Parce que là. Éventuellement pour choper 40k. On va se taper toute la haine des elfes noirs quoi. Tyrion fait le tour je pense, mais il fait chaud hein. Je pense que je vais attendre qu'ils soient là pour les confédérer. Qu'ils aient plus que ça. Comme ça on récupère 40k. Après le reste c'est trop proche des territoires elfes noirs. Et on n'est pas assez stable dans notre. Ils vont prendre la mer pour nous attaquer après, on n'est pas assez sécure. On n'est pas assez sécure du tout, on n'a qu'une seule porte. Il faut vraiment qu'on arrive à confédérer avec eux. Le problème c'est que là ils sont remis en mode recrutement. Ouais. Prince of Elfwan. Et ben pas choix, de toute façon tu vas aller prendre un peu de dégâts, c'est pas grave. Tu vas aller me prendre 2-3 trésors. La mer qui est agitée, c'est sympa comme ça. Ok, et bon on va passer le tour.
Ah bah toi tu vas faire la course poursuite, mon pauvre DeLorean. Ok, Lautern qui accélère. Hop. Désolé si vous avez eu un petit écran qui a bugué. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Et donc bah n'hésitez pas à laisser un... Désolé si vous avez entendu quelque chose, c'est moi qui ai mis en ligne un épisode. Alors, du coup, allez, on passe ici, de la thune, de la thune, de la thune. Ouais, encore 5000 de thunes. On a éventuellement ici à aller chercher, ils ont rasé le palais des princes. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant d'aller le choper. Même si c'est, on sait que c'est pas du, c'est pas des bons territoires pour nous, mais ça nous fait un peu de ville en plus. Ça se passe comment là? Moins 15, moins 15. T'en prends cher. Hein. Ouais, on peut faire ça à la limite. Bah toi viens là. Alors, le problème c'est que, non, non, tu dégages en fait. Je peux pas me permettre de perdre ça. Ouais. Eux, ils peuvent venir ici en mode normal, donc on reste comme ça. Je vais aller mélanger les unités ici. Attends, puis en revenant, tu viendras là. La porte du phénix, je peux la passer niveau 4. Parce que c'est pas trop la prio non plus pour l'instant. Parce que la prio, c'est de sécuriser cette côte. Cette tour, c'est énorme. Tordranil, c'est important, je pense, de la sécuriser aussi. Hein. 6 tours, quoi. Ok, ça aussi il faudra qu'on passe les bâtiments pour avoir les gardes phoenix dans pas longtemps. Ici de toute façon on peut pas faire grand chose, 5400 on les a pas. Repoint diplomatique rapide. Donc, oh putain, Lyon est passé Renforce 3. Ouais, il n'y a pas d'autres factions qu'on déporte. Non, chevalier en... Ok, on repasse le tour. Ouais, ils ont pris le palais des princes, ok. Bon, ils l'ont fait aussi, mais eux, ils ont pas les malus d'ordre public qu'on va avoir, ils sont déjà à plus 9. Je pense qu'on va la laisser tomber de toute façon au bout d'un moment. Genre, je peux pas me permettre de laisser mobiliser une armée. Là. On va quand même voir ce qu'ils font Tyrion sur la côte. Savoir s'ils débarquent sur la côte ouest, ça peut peut-être me permettre de confédérer avec. On a rencontré le clan mort, ok. De confédérer avec. Ready to serve. Prince of Alphwa. Anchors away. Avec Attilanar. Pour l'instant, j'ai pas l'impression qu'il y en ait aucun. Ah si, voilà, ok, super. Super, super. Ils ont pris la mer, donc ça c'est bien pour nous. Bon, ouais, ils se sont fait déglinguer, je pense. Attilanar n'a plus d'armée. Ou alors c'est en force 12, donc ils l'ont toujours. Pour l'instant ils tiennent, faudrait que Gigalion se fasse exploser. Et là on pourra peut-être le confédérer. Ok, donc on a 4000 de thunes. Tu
peux débarquer là-bas, toi, à la limite. Donc, comme tu peux débarquer là-bas, à la limite, ce qu'on va faire, c'est que toi... Alors, le problème, c'est qu'on va perdre la forteresse des damnés, c'est ça? On va essayer de faire quand même comme ça. On va se mettre en mode campement ici. On va l'avancer en mode campement tout petit pour aller vers au palais des ruines. Ils ont pas grand chose. Toi, ce qui serait cool, c'est que tu débarques ici dans 2 tours. Dans 2 tours, on sera à moins 39, moins 52. Moins 52, moins 65, on fusionne les armées. Moins 78, et tu peux te remettre ici à la limite. Tu peux te remettre ici. On va prendre l'avancée militaire 3. Il n'y avait pas grand chose ici qui m'intéressait. Entretien pour les hommes d'argent et les chars. On n'a pas tant que ça. Les patrouilles rien non plus. Les lanciers et les archers. Ouais, pas mal ça. Dégâts des tirs plus 10% pour les. Les rendeurs fantômes et les chars. Ouais, il n'y a pas les. Les sœurs. Est-ce qu'elle a quoi? Les chars. Les lions blancs et les gardes phénix. Les rôdeurs fantômes. Balistes. Maître du savoir, homme d'argent, prince dragon, les hommes chats. Pff, y a pas, c'est pas. On va peut-être pas prendre ça tout de suite, on va garder nos 4000. Pour l'instant, on va peut-être partir là-dessus. Alors, on m'a dit de recruter un grand aigle aussi, il faudra que j'y pense à ça. Ça peut être pas mal. Bon, on peut toujours améliorer notre porte, on va toujours pas le faire. Le Val de Gaine, on va toujours pas améliorer la garnison, pour l'instant, ça sert strictement à rien. On va passer le tour, je pense. Non, la porte non plus. On va garder notre tuile. On n'a rien en fait qui puisse nous permettre pour l'instant de... On n'a rien pour l'instant qui puisse nous permettre de... Ah! Bah pas le choix hein. Donc là y est, on est en guerre. Ah y est, l'auterne va bouger. Le culte du plaisir à confédérer avec Elgref. Elirion, le raid sanglant. Allez, c'est parti. C'est parti, ça va péter. Donc je pense qu'on va différer nos... On va différer ce qu'on doit faire. Je pense qu'on va laisser l'armée en haut ici, parce que la rébellion qui va pop... Ah, ça va être une rébellion du chaos, je pense. Donc en fait, ça va pas marquer, ça va pas nous comptabiliser notre mission ici. Moi, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter non plus. Ah! Un raid sanglant, ouais. Ok, donc il y a un raid sanglant ici. Et il va aller directement sur nous. Mine de rien, quand on regarde, Lauterne est premier, Liran 3ème, Ordre du Savoir 4ème, et le reste, ça va loin. Hein. Moi, je pense que Nagaron doit être deuxième. Doit être deuxième quand même. Dans un tour, on a notre salle de Kane qui est sécure, on va pouvoir récupérer l'épée de Kane. Donc je pense qu'on va abandonner ce qu'on fait là, je pense. C'est triste, mais... J'ai pas avoir le temps d'aller au palais des ruines, en fait. Faut que je remobilise mon armée. C'est du temps de perdu. Alors ce qu'on va faire, on va faire ça, déjà. On va faire ça. On va s'échanger 2-3 unités, enfin 2. On va rester comme ça, je pense, on était pas mal. Ok, toi, tu te remets en mode marche et tu vas à la forteresse des damnés. Toi, tu vas rester ici pour l'instant. Et toi, tu reviens, tu dégages. Toi, tu vas venir ici. Tu vas l'attendre en lec. On va monter notre thune. Alors, 150, on prend des coffres. C'est pas négligeable vu qu'on commerce avec pas mal. Faut vraiment qu'on arrive à les choper. Ben. On va faire un dernier tour et puis on va s'arrêter là. On va s'arrêter là. Lauterne, je pense, va démobiliser ses armées, j'espère. Allez, ils sont en train de recruter là. 5 aigles, 2 hommes d'argent, des guerriers des ombres, des sœurs d'Averland, ils ont tout. Aïe, ça va partir en cacahuète au niveau de la guerre. Morganette après un coup.
On va suivre Elirion attentivement juste avant la fin de cet épisode. Au sud, ça pète aussi. Défenseur d'Ultuan, qu'est-ce qui s'est passé là? D'accord. Et ouais, bah ça c'est la... ça c'est parce que du coup vous avez fait les cons. Allez, nous on revient, ça nous concerne pas trop non plus pour l'instant. Parfois ça nous concerne directement ici parce que du coup on va choper des malus, mais... on a notre hôtel qui est prêt. Donc bien entendu, alors je pense que je peux pas lui donner... envoyer un serveur, un seigneur à l'hôtel de Kane. Donc ce qu'on va faire, on va mettre à l'arrière l'hôtel de Kane. Hein. Ici, toi, tu vas être chargé de mater les rébellions qui vont pop, parce qu'il y en a qui vont pop, du coup, t'es 13 sur 20. Je vais te donner... Tu as quoi? Tu as des lanciers de base. Est-ce que t'as tout pour booster les lanciers de base? Tu m'as l'air d'avoir tout, donc on va te donner des compétences de combat. On va te booster ton commandement aussi. Est-ce que tu peux recruter? Ouais, tu peux recruter qu'en global, éventuellement j'ai ça pour, à te donner. Et ici j'ai quoi? Ouais, j'ai une petite garnison sympa. Ouais, on va booster l'ordre public ici, il y a même 6 tours, c'est énorme, mais on va le booster. On va ça en normal pour l'instant. Si on peut la rendre autonome, cette province, on la rendre autonome. Ici, on va rester comme ça. Est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Donc il y a Gigalion ici. Mais Gigalion, je vais t'envoyer te suicider. Ah mais d'accord, t'es pas en guerre contre, t'es en guerre contre personne Gigalion, mais qu'est-ce que tu fous sur la mer comme ça? Ah, je peux te... ouais, superbe. Behold the majesty of the Phoenix Court. Now to business. Il est... ah, il est d'accord. Bah à la limite, tu veux pas buter le Raid Sanglant, hein? Il est le Raid Sanglant, là. Non, tu peux pas. Bon, on verra ce qui se passe. Il faut vraiment que ça aille se faire péter. Bon, du coup, nous, on aura passé cet épisode. Du coup, on aura récupéré notre bâtiment pour les maîtres épéistes. Qu'on en aura foutu deux, du coup, dans cette armée-là. Je pense qu'on va aller en... on va aller en mettre 4 en tout. On va aller passer par... on va aller passer par l'hôtel des Kane, déjà. On va passer par l'hôtel de Kane, donner l'épée de Kane à notre Ariel. On va aller à Thorachar. Non, enfin, d'abord, on va aller à Thorachar, je pense. On va aller, on va aller recruter. On va enlever, je pense, les deux dryades ou l'unité de lancier de renom, ou alors je vais garder, comme j'aime bien les gardes maritimes, je pense qu'on va enlever ces trois unités-là, ou deux. Je vais garder les lémures, les dryades c'est quand même pas mal aussi pour choper l'anti-large et le bloquer. On verra ce qu'on fait, je vais prendre 4 maîtres épéistes, et une fois que j'ai mes 4 maîtres épéistes, à ce moment-là on remontera sur Misnar pour choper la ville. Quoique non, on la rasera la ville. Et puis on ira à l'hôtel de Kane à ce moment-là, prendre l'épée de Kane une fois qu'on se rapproche de monter sur, les terres de l'ouest. On espère toujours que Elirion, du coup, se fasse, se prenne une petite raclée pour qu'on puisse les confédérer. Au niveau de l'hôtel de Kane, on a du coup notre notre garnison au max. Donc on a les gardes phénix, on a 4 lions blancs de crasse, on a une garnison à 20 sur 20 avec du dragon, donc on a une grosse garnison. Faire attention parce que je pense que du coup leur Red Sanglant va aller vouloir, je pense, venir sur l'hôtel de Kane. Et donc je pense qu'on sera susceptible de mobiliser à l'Ariel en plus. Une fois qu'elle aura. On verra ce qu'on fait, si on remobilise à l'Ariel ou pas. Ou si on fait descendre notre seigneur ici. Vous me direz ce que vous en pensez de la prise de cette ville. Je suis mitigé, je l'ai prise parce qu'il fallait que je me régène. Ça peut être intéressant, c'est une colonie niveau 5 quand même, donc enfin potentiellement avec 6 slots, donc à voir. L'avenir nous dira si c'était une bonne solution ou pas. Et j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas comme d'habitude à laisser un petit commentaire. On est pas mal au niveau de la course au Vortex, on est toujours dernier, mais on se rapproche du deuxième rituel. Bon, Exalt est largement trop loin pour nous, mais bon, on ira leur faire chier, je pense, à un moment donné, en leur envoyant des... des troupes lorsqu'ils lanceront leur rituel et qu'on aura un peu de thunes. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à laisser un petit like si vous avez aimé, et puis moi je vous souhaite à tous une excellente journée, et puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de ce Let's Play.